She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me caught, I thought she was a... Bonsoir la famille. Bienvenue sur notre chaîne Buzz Promax TV. Je vais vous raconter une histoire. Ça se déroule au Cameroun, dans un quartier qu'on appelle la Cité Verte. Yeah. Ma collègue Lorraine a essayé de vous raconter l'histoire, toute l'histoire, bon, avec les détails, les vidéos, mais vous connaissez YouTube. Avec les restrictions, ils ont commencé à restreindre la vidéo, limiter les trucs, limiter l'âge de visionnement, les trucs comme ça. Donc, on a décidé de supprimer ça et je vais vous parler maintenant de l'histoire d'une manière light. Vous comprenez un peu. C'est une fille dans le quartier. Bon, vous connaissez le genre de fille qui est comme garçon manqué là, non? Elle aime s'habiller seulement en sous-vêtements, en t-shirt, comme les hommes et tout, c'est monté et descendu. Elle adore le foot et tout ça. Donc, son voisin, qui s'appelait, parce qu'il est décédé, père à son âme, Kendrick, est toujours à couteau tiré avec elle, parce que ce voisin l'accuse d'être lélé, vous connaissez, si vous avez lélé, donc, qu'elle aime les femmes, comme ça là. Donc, ils sont toujours à couteau tiré, toujours en train de se chamailler. Il y a des histoires, donc le gars est toujours derrière elle, oh, provoquant la provoque et tout. Merde. Donc, ce qui fait que ce beau jour alors, bien. Yeah, ce Kendrick décide donc non, je vais sortir du mystère, je veux voir ce que tu caches là-bas, dans ta poitrine là, je veux voir les lolos quoi, je veux voir ça. Il prend la fille, commence à brutaliser la fille, jette la fille au sol, essaye d'enlever le haut de la fille quoi, la fille se résiste, elle dit laisse-moi ceci. Et pendant ce temps, ses complices sont, ses compagnons, le compagnon de Kendrick sont à côté en train de filmer. L'autre veut agir, l'autre dit non, ne sépare pas, il ne faut pas séparer, laisse, il faut qu'on la traite, merde, ne sépare pas. Donc ils sont là, ils filment, ils disent non, ne fais rien, il faut la laisser. C'est comme ça que cette fille se sentant humiliée, où elle a sorti le couteau doux, on ne connaît pas. Bon, l'histoire, bon, d'après les récits, on dit que bon, après le couteau, bon, elle a fini avec le gars à la vie de Kendrick, quoi. Bon, sa fille en question s'appelle Alan. Elle a fini, donc, Alan a fini avec la vie de Kendrick. On a amené Kendrick à l'hôpital, bon, il n'a pas pu, n'a pas pu résister aux blessures. Donc, c'est qu'il est parti, quoi. Il nous a quittés. Et depuis ce temps-là, Alan est porté disparu. Et sur la toile, les opinions sont divisées. D'autres disent que non, Alan doit aller en prison, c'est monté, c'est descendu. D'autres disent que non, qu'elle agit en légitime défense, donc on ne doit pas aller en prison. C'est, l'opinion est divisée, quoi. Donnez-moi vos opinions, vous croyez que quoi? Donc, parce que Alan, elle est les que, bon, Kendrick avait le droit de l'attaquer. Je me dis que tu sois d'accord ou pas avec la condition sexuelle de quelqu'un, ça ne te donne pas le droit de l'attaquer hein, physiquement. Ça ne te donne pas le droit. Les bien vrai, le lélé est interdit au Cameroun. C'est puni par la loi. Mais alors, chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. C'est aux autorités de s'en charger, je me dis. C'est mon opinion, hein. C'est aux autorités de s'en charger, ce que c'est interdit dans le pays. Bon, c'est aux autorités. On va prendre la justice dans nos mains parce que ça va devenir quoi. Chacun dit, ceci ne me plaît pas, je vais solutionner. Ceci, la police est donc là pourquoi? Les autorités sont là pourquoi? Donc c'est ça, c'est cette histoire qu'on essaie de raconter là avant la famille. Bon, YouTube a commencé à mettre des restrictions et tout ça. Donc, j'ai décidé de vous raconter l'histoire maintenant, mais sans les images et sans les paroles un peu, vous comprenez un peu là. Donc, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker.
J'étais obligé de revenir partager cette histoire parce que ça c'est une histoire vraiment à partager parce que ça sensibilise. Allez, quelqu'un parle là, il veut jouer au justicier, là, il part trouver sa part de malchance. C'est pas bien. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. Bisous, bisous et hasta pronto.